Un spectacle fabriqué de toutes pièces et un très jeune public pour le moins heureux d'y assister. Tous profitent de l'événement auquel ils participent pleinement à l'occasion du centre aéré proposé par la ville. On a réussi à trouver la perle de savate magique à Vaiana. C'était intéressant l'histoire ? Oui. J'avais bien aimé. C'était trop chouette. La peinture et... On a fait des trucs, on a joué au Lego. À l'origine du projet, deux étudiantes en arts plastiques et arts du spectacle, actuellement en vacances dans leur ville. Elles bénéficient d'un emploi vacances et allient passion et travail au profit des marmailles. Nous avons fait un spectacle unique avec les personnages de Disney pour montrer aux enfants Saint-Joseph et aussi l'île. On peut travailler en s'amusant pour nos études. C'est vraiment le... meilleur job, moi je veux dire, parce que j'ai déjà fait d'autres petits jobs en tant que figurant ou des trucs de ce style, et c'est vrai que ça apporte beaucoup, c'est pas la même chose. Une très belle mise en situation professionnelle pour ces deux Saint-Joséphoises qui marquent ainsi leur capacité à déployer rapidement une belle activité pour les jeunes enfants, de quoi rajouter une nouvelle ligne à leur CV.